Demain, je demande confirmation de ce qu'on a fait les deux premiers matchs. On a gagné les deux matchs, on a marqué 7 buts. Bien sûr, on fait des entames timides, c'est tout ce qu'il nous faut améliorer. Mais on a plein de choses à améliorer, individuellement et collectivement. Il faut que chacun maintenant monte encore plus d'un cran. Je vois le travail qui reste à faire, je vois l'ambition des gens, je vois la confiance, les sourires revenir. J'ai pas envie que ça retombe. Il faut qu'on reste en mode commando et qu'on continue notre route en gardant toujours l'état d'esprit. Si ça chute, ça va pas le faire. Demain, c'est un test. On va jouer à l'extérieur. 24e journée de Ligue 1, Clermont-OM. Alors qu'il a des supporters partout en France, l'Olympique de Marseille peine loin de ses bases cette saison. Lorsqu'il se présente au stade Gabriel-Montpied, les Olympiens sont tout simplement lanterne rouge du classement à l'extérieur. Avec une victoire et 4 nuls pour 11 matchs loin de l'Orange Vélodrome, cette rencontre du 2 mars 2024 permet de vérifier si l'effet Jean-Louis Gasset peut aussi inverser cette tendance. Festival de buts. Avec cette victoire 5-1, l'OM confirme son retour en forme, passant de la 9e à la 7e place de Ligue 1. Mais au milieu de la joie et des sourires, le coach Jean-Louis Gasset veut tempérer entre la confiance retrouvée et l'exigence nécessaire pour franchir d'autres paliers. Si la confiance monte chez les joueurs, on va continuer à essayer de gravir les échelons et toutes ces échéances qui arrivent. Vous aurez vu le vestiaire là, ça chantait, c'était joyeux, tout le monde est content. Mais il faut continuer cette progression-là parce que tout n'est pas parfait. En première mi-temps, on a fait des fautes techniques au milieu incroyables. En seconde mi-temps, on arrive à se faire égaliser un but un peu gag. Tous ces petits détails font que la confiance peut s'envoler. Il faut faire très attention. Le football est fragile, ça va dans un sens comme dans l'autre. Il faut qu'ils arrivent à sentir que c'est décisif. Mais après, on a une réaction, donc c'est positif.
Fort de 3 victoires consécutives, les hommes de Jean-Louis Gasset mettent ensuite le cap sur l'Europa League avec un 8e de finale pas comme les autres. L'adversaire, Villarreal, est entraîné par Marcelino, l'entraîneur de l'OM en début de saison, présent lors de l'élimination au tour préliminaire de Ligue des Champions contre le Panathinaikos durant l'été. Retrouver Marcelino 6 mois plus tard en Europa League est donc une façon de boucler la boucle, même si le mot d'ordre à l'OM est de ne pas se tromper d'objectif dans cette double confrontation. Marcelino, c'est pas une motivation en plus. Nous, on veut se qualifier et on doit prendre une bonne option au match aller. Donc Marcelino, c'est pas, on joue pas contre Marcelino, on joue contre le club de Villarreal. On regarde l'effectif, on les regarde jouer, on connaît le système de jeu, bien sûr. Parce que c'est quelqu'un de respectable, puisque il a quand même fait des choses dans le football. Et son équipe est bien organisée, il a une méthode. Demain, on va faire le maximum pour contrecarrer tout ça. Difficile pourtant d'imaginer que sur cette étape encore bien loin de Dublin, il n'y a pas pour chacun un peu d'amour-propre en jeu. Aussi bien chez les Marseillais que pour le coach ibérique et son staff. Une seule certitude, en tribune, ils n'attendent qu'une seule chose, voir l'équipe de Jean-Louis Gasset poursuivre sa série de victoires. Succès net et sans bavure dans ce match aller. On a fait un beau travail. Franchement, respect à toute l'équipe parce que c'était un grand match. Une étape en plus franchie parce qu'on n'a pas concédé de but. Encore une fois, les supporters ont répondu présent. Et voilà, c'est toute cette mixité et se serrer les coudes ensemble qui nous a fait avancer encore une fois ce soir. Rester humble. Je pense qu'on revient de loin. Il y a 15 jours, parler comme ça devant la caméra, ça aurait été plus difficile. Mais il faut prendre aussi. Il faut prendre aussi quand on fait des bons matchs et des grandes victoires. Il faut savoir savourer. Il faut continuer. Il ne faut pas lâcher parce que ça peut aller vite. Mais il faut savoir savourer. Ça fait du bien de faire un match complet comme ça et gagner 4-0 à domicile. De la manière dont tu le mets. En fait, après, je l'ai arrêté. Tu m'as dit oui. Je l'ai vu sortir. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, dommage. Voilà, place à la Ligue 1, là où on a besoin d'engranger les points. Et voilà, il faudra du sérieux.
et vous allez gagner le match tout simplement. Les revoilà en effet. Même heure, même endroit, 3 jours plus tard. Changement de compétition, d'adversaire, même si ce dernier arbore la même couleur de maillot. Et le jeune réussit décidément bien aux Marseillais cette semaine. Les Canaries nantais sont à leur tour battus à l'Orange Vélodrome 2-0. Cinquième succès consécutif et nouveau clean sheet pour l'OM. Match 3. S'il vous plaît. Aujourd'hui, le jaune encore, Villarreal jaune. Donc on est content, on a fait une bonne semaine avec 2 victoires, c'est super. On voulait pas prendre de but ce soir. Donc voilà, mission validée, clean sheet ce soir. Et ça fait du bien pour moi et mes partenaires de la défense. Et puis félicitations aussi à mon Paul Lopez. Franchement, félicitations en bas. Il est sur une lancée incroyable, il fait que de marquer. Donc voilà, on est content pour lui. L'équipe aussi a été très costaud ce soir. Ambiance de folie. Voilà, on a tout pour être content ce soir. 5e victoire d'affilée. Ça fait du bien. Ça fait du bien. C'est quelque chose qui nous motive de savoir qu'après le match, on va célébrer tous ensemble. On veut vraiment la victoire pour nos supporters et on est vraiment sur une bonne lancée. Puis il faut continuer comme ça. En 5 matchs pour autant de victoires. L'arrivée de Jean-Louis Gasset a permis à cette équipe de prendre enfin son envol. De retour sur la scène européenne pour la 2e manche contre Villarreal, les Olympiens comptent alors 4 buts d'avance sur les hommes de Marcelino. En ballotage plus que favorable avant ce 8e de finale retour en Espagne. Ils vont pourtant connaître une soirée suffocante chez le sous-marin jaune, vainqueur de la compétition en 2021. Ce soir-là, le jeune ne se marie pas très bien au blanc et bleu. Dans un stade bouillonnant qui veut croire en un exploit des siens, les Olympiens sont menés 1-0 à la mi-temps. Jusqu'ici, le pessimisme n'est pas encore d'actualité. Il le devient davantage à l'heure de jeu. À 5 minutes de la fin, Villarreal inscrit un 3e but. La soirée prend la direction d'un cauchemar dont on ne se remettrait pas. Les frayeurs sont nombreuses. Devant un Paulo Lopez qu'on espère pouvoir qualifier d'héroïque à l'issue de la rencontre. Il le sera, partageant l'affiche avec Pierre-Emerick Aubameyang et Jonathan Kloss. Parce que
puis il faut apprendre des matchs comme ça, même avec le score qu'on a fait à l'aller, c'est pas fini, je l'ai dit après les matchs. On a qualifié pour la quart de finale, ça c'était l'objectif, mais peut-être la manière c'est pas la meilleure, non. Mais content pour le, parce qu'on a, on est en quart de finale, mais beaucoup de choses à améliorer, beaucoup de choses à apprendre, parce qu'on ne peut pas jouer comme ça en Coupe d'Europe. Dur mais on l'a fait les gars. Un petit coup de moins bien qui va malheureusement se confirmer trois jours plus tard en championnat contre le Stade Rennais. Sur la pelouse du Roazhon Park, l'OM livre globalement une meilleure prestation qu'en Espagne. Mais ce qui lui réussissait une semaine auparavant ne se concrétise plus ce soir-là. Et les Marseillais s'inclinent 2-0 lors de cette 26e journée de Ligue 1. Passer 25 jours ensemble. J'ai fait un petit bilan. On aurait aimé continuer cette dynamique positive, mais malheureusement, il nous a manqué un peu d'essence, un peu d'oxygène. Allez. On rentre dans la science, ok? Regarde juste. Allez, on démarre hélico. Après cette série de 5 matchs en 18 jours, l'OM peut souffler un peu avec la trêve internationale de mars. Malgré l'absence des internationaux, l'équipe de Jean-Louis Gasset en profite pour travailler en profondeur et livrèrent une opposition disputée avec la N3 de Jean-Pierre Papin. Mais alors que Valentin Rongier a repris la course sur les terrains de la commanderie, voilà que l'infirmerie marseillaise accueille de nouveaux joueurs. Avec notamment la blessure de Jonathan Clauss en entame de match contre le Chili en amical. La saison 2023-2024 semble déterminée à mettre cette équipe à l'épreuve. Et la suite ne sera pas de tout repos. Paris, Lille, Toulouse, Nice, Lens en championnat, Benfica en quart de finale d'Europa League. Ses adversaires composent le calendrier des 30 prochains jours de l'OM. L'occasion pour ce groupe de montrer une fois encore l'étendue de ses ressources et sa force de caractère.